Bonjour tout le monde. Je pense qu'on vient de démarrer un live sur Facebook. Donc, on va te donner 3 minutes de temps pour que tout le monde puisse nous rejoindre avant de démarrer notre webinaire sur l'initiative d'Anishinaabe pour l'Afrique, le recrutement de 2022. Donc, en attendant, je vous présente vite fait les panélistes qu'on aura aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Oulimata, je suis sénégalaise et je travaille pour l'équipe de recrutement d'Achinaga pour le programme local et pour le programme international. Je donnerai la parole à mon collègue et aux panélistes d'aujourd'hui plus tard, mais en attendant, je vous fais une petite présentation. Aujourd'hui, on a avec nous Jerry, coordinateur du programme au Sénégal et aussi membre du staff d'Achinaga au Sénégal et travaillant avec les étudiants et aides durant leur camp préparatoire. Nous avons également 3 candidats de 2021 qui ont avec succès passé leur application, leur candidature à l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique et qui présentement se trouvent au Sénégal pour leur camp préparatoire de 6 mois qui a débuté en juin, juillet et qui finira en décembre, Inch'Allah. Donc, ils sont là pour nous parler de leur expérience en tant que candidat d'Ashinaga. 1 minute pour voir le nombre de personnes et on pourra démarrer. Encore 1 minute, s'il vous plaît. Alors, on va démarrer notre webinaire pour aujourd'hui. Encore une fois, merci de nous rejoindre en live sur Facebook. Nous allons passer 1 heure de temps ensemble pour parler un peu de l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique et surtout pour essayer de vous éclairer sur les différentes questions que vous avez sûrement à propos de notre programme. Nous serons 5, donc en 1 heure de temps, on fera de notre maximum pour que les étudiants qui ont fait l'expérience eux-mêmes du recrutement puissent répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le recrutement. On va d'abord commencer par une présentation sur Achinaga, la fondation Achinaga de manière générale, pour ensuite vous expliquer un peu ce qu'est l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique, qui est un des programmes d'Achinaga. On passera ensuite à une petite présentation sur Achinaga Sénégal, qui est l'un de nos principaux bureaux dans le monde, parce que nous en avons 6. Et on passera à la deuxième partie qui, je pense, est la plus importante et celle qui vous intéresse le plus, où on aura le témoignage des candidats de l'IAA et une table ronde où on leur posera les nombreuses questions que vous nous avez fait parvenir avant de clôturer le webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. La première partie, je m'en occupe, ce sera moi. Et la deuxième partie, nous aurons Géry du Bureau du Sénégal qui nous parlera des activités du Bureau du Sénégal. Alors, sans plus tarder, je vous parle de la Fondation Achinaga. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, la Fondation Achinaga est une fondation japonaise basée à Tokyo. Donc, notre bureau principal se trouve à Tokyo, mais nous avons aussi des bureaux très importants dans l'éducation des étudiants un peu partout dans le monde, notamment au Sénégal, comme vous le verrez plus tard, mais aussi en France, au Brésil, à Londres, aux États-Unis. Donc, et en Ouganda, j'avais oublié l'Ouganda. Ces 6 bureaux s'occupent du soutien éducatif et émotionnel que nous offrons à des jeunes ayant perdu l'un ou l'autre de leurs parents à travers le monde. Donc, Achinaga existe depuis plus de 50 ans maintenant et au cours des 50 dernières années, notre support a permis à plus de 110 000 orphelins à travers le monde de réaliser le rêve d'avoir accès à une éducation universitaire. En particulier, Achinaga a commencé ses activités en Afrique en 2014, donc il y a un peu plus de 6 ans, où ils ont pour la première fois sponsorisé des étudiants venant d'Afrique pour continuer leurs études supérieures. C'est par la suite que l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique a été instaurée et je vous explique un peu ce qu'est le programme de l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique. Alors, parmi les nombreuses activités que fait Achinaga, il y a l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique, qui est un programme spécifique, un programme international qui vise à cultiver la prochaine génération de leaders qui contribueront au développement de l'Afrique subsaharienne.
L'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique est partie du sentiment de notre fondateur qui s'était dit à un moment donné qu'il avait vraiment beaucoup fait au Japon et qu'il voulait maintenant étendre son support à des orphelins venant d'autres pays et notamment de l'Afrique subsaharienne. Il croit très fort au potentiel des jeunes africains et il croit surtout que la perte d'un ou de leurs deux parents ne doit pas être un frein à leur éducation, surtout lorsqu'ils ont l'ambition d'être serviables à leur communauté, à leur pays et à leur continent. Donc, il a initié cette initiative et aujourd'hui, après 6 ans d'activité, je pense que nous sommes fiers d'annoncer que nous avons dépassé le cap, je pense, des 110 étudiants qui ont eu à poursuivre les études grâce à Ashinaga. Alors, qui sont les étudiants de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique? Les étudiants de l'IAA sont bien entendu des jeunes qui ont perdu un ou deux de leurs parents, mais qui ne s'arrêtent pas à ce moment. Certes douloureux de leur vie, qui ont quand même l'ambition d'amorcer un changement positif pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Ce sont des jeunes très engagés dans leur communauté, très forts dans leurs études, qui y croient et qui s'accrochent fortement aux rêves qu'ils veulent réaliser et qui ne s'arrêtent devant rien pour atteindre ces rêves. Qu'est-ce que fait Ashinaga pour eux? Alors, Ashinaga offre un support financier complet pour le parcours du diplôme du premier cycle. Et quand on dit complet, c'est vraiment complet. Du moment qu'un étudiant devient boursier de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique, tous ses frais qui sont relatifs à son éducation et à sa vie en tant qu'étudiant sont supportés par Ashinaga. Cela comprend bien entendu la scolarité dans les universités où ils sont admis, mais aussi les coûts de la vie quotidienne, ainsi qu'un support financier lors de stages et autres opportunités positives qui peuvent servir à leur développement professionnel. Donc, ce support commence dès l'admission de l'étudiant au sein de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique et il commence par un camp d'études, un camp préparatoire auquel les étudiants sont tenus de participer. Il est obligatoire de participer à ce camp, à ces deux camps qui se déroulent sur un an au total. Et durant ce camp, du moment où ils quittent leur pays pour venir faire leur camp, soit au Sénégal, soit en Ouganda, jusqu'à la complétion de leur parcours d'études du premier cycle, les étudiants sont entièrement à la charge d'Ashinaga. Donc, durant le camp, durant le parcours universitaire et après la complétion du premier cycle universitaire, selon la situation du candidat qui peut parfois poursuivre un master avec Ashinaga, sous réserve d'être académiquement brillant et de remplir certaines conditions, l'étudiant n'a pas à se soucier de ses frais de scolarité et peut juste se concentrer sur ses études et sur ses objectifs à atteindre. Donc, quels sont les critères de sélection? Parce que pour une couverture aussi complète, on a aussi nos critères. Et je vais juste me contenter de citer les critères clés qui déterminent l'éligibilité même d'un candidat, qui sont les premières conditions à remplir avant même de pouvoir prétendre à la bourse d'Ashinaga. Donc, la condition première, évidemment, qui est d'être un orphelin, d'avoir perdu son père, sa mère ou les deux parents et de pouvoir prouver cela grâce à des documents officiels. Pour cette année, les étudiants visés sont ceux qui seraient nés après le 1er septembre 1999 et qui auront terminé leur cycle secondaire ou obtenu leur baccalauréat après le 2 août 2019. Donc, tous ceux qui ont été bacheliers ou ont fini leur cycle secondaire le 2 août 2019 ou jusqu'au 28 février 2022 sont éligibles à la bourse d'Ashinaga. Une petite précision, c'est que les baccalauréats techniques, technologiques et professionnels ne sont malheureusement pas acceptés. Nous ne sommes pas en mesure d'offrir un accompagnement, un support aux candidats qui auront obtenu les bacs dans ces 6 filières-là. Il est aussi à préciser qu'aucune dérogation ne peut être faite pour des étudiants qui n'auront plus pas ces conditions et qu'on est assez strict sur ces critères-là, c'est-à-dire qu'un bac obtenu avant le 2 août 2019 ne sera malheureusement pas éligible et quelqu'un qui est né avant le 1er septembre 1999 ne le sera pas non plus. Nous en sommes désolés, mais nous sommes tenus de nous tenir à ces conditions-là. Par ailleurs, voilà, la candidature est ouverte aux étudiants de 49 pays d'Afrique subsaharienne. Donc, tout étudiant qui aura la citoyenneté et ayant complété leurs études secondaires dans ces pays-là aura la possibilité de postuler à la candidature. Le pays de résidence peut être différent du pays de citoyenneté, mais ça ne pose pas de problème. Du moment que la citoyenneté est d'un pays d'Afrique subsaharienne, le candidat est éligible.
L'autre critère très important, bien que nous ne nous tenons pas uniquement aux critères académiques pour sélectionner nos étudiants, il est quand même important pour nous de choisir des étudiants qui ont la possibilité de bien poursuivre les études à l'extérieur, qui peut être parfois très dur. Donc, nous exigeons autant que possible que les candidats soient parmi les 10 meilleurs de leur classe pendant les 2 ou 3 dernières années, donc la seconde à la terminale en principe. Il est très rare que les candidats aient obtenu une note inférieure à 12 sur 20 puissent être sélectionnés au sein de l'initiative nationale pour l'Afrique. Et donc, la dernière condition que je vais permettre d'énumérer, c'est que ces candidats-là, quelle que soit la situation dans laquelle qu'ils ont déjà commencé l'université en première ou deuxième année, s'ils sont admis dans le programme, sont tenus de participer au camp préparatoire qui se tient sur 1 an. Donc, c'est un passage obligatoire du programme Tachinaga et ça veut dire donc qu'au cours de l'année 2022, ils seront en train de participer au programme préparatoire et pourront commencer les études supérieures en septembre 2023. Ça peut paraître un peu bizarre de faire 1 an de préparation, mais nous vous assurons que comme vous le découvrez un peu plus tard, que le curriculum qui est développé au cours de cette année préparatoire sert de fondation, de base aux étudiants de l'IAA et qu'il est rempli de bénéfices, de points positifs pour la vie à l'étranger et la poursuite des études supérieures. Donc voilà. Et bien entendu, un des socles de l'initiative Tachinaga pour l'Afrique et cet engagement envers l'Afrique. Donc il y a une certaine obligation de retourner en Afrique subsaharienne après avoir obtenu ses diplômes afin de pouvoir activement contribuer au développement de l'Afrique. Voilà. Si vous avez bien compris les critères d'éligibilité que vous jugez éligibles à l'initiative Tachinaga en Afrique, nous vous invitons vivement à postuler, à déposer votre candidature. Alors, le dépôt de candidature se fait en 2 étapes. Et la première est strictement réservée à déterminer l'éligibilité de l'étudiant. Donc, à cette étape-là, nous vous demandons effectivement de fournir des documents qui nous permettent de vérifier que vous avez perdu vos parents, votre année de naissance et l'année d'obtention de votre baccalauréat. Ces 3 documents sont absolument nécessaires à ce stade parce qu'ils nous permettent de déterminer votre éligibilité. Pour cela, vous devez vous inscrire sur le lien que vous trouverez sur tous nos sites et nos réseaux sociaux. Et une fois sur ce lien, vous aurez une procédure assez simple pour ouvrir un compte sur notre plateforme et avoir votre propre compte de candidat sur lequel vous pourrez déposer vos dossiers et remplir les informations nécessaires. À la suite de quoi, le staff se chargera de déterminer votre éligibilité et si vous êtes éligible, vous recevrez une invitation à déposer votre candidature complète. Et c'est à ce stade que vous devez fournir le reste de vos documents, à savoir les relevés des 3 dernières années et les copies d'attestation du baccalauréat. Il est aussi important que vous ayez ces documents-là à ce stade-là parce que sinon, nous ne pouvons déterminer votre potentiel académique et nous avons du mal à déterminer si vous êtes un bon candidat ou pas pour l'initiative Tachinaga pour l'Afrique. Donc, la méthode préférée, c'est celle que je viens de vous expliquer, de le faire en ligne sur notre plateforme. Et au cas où vous auriez des problèmes, nous sommes aussi ouverts à ceux qui veulent déposer leur candidature par mail à l'adresse qui s'affiche sur mon écran et que vous pouvez aussi trouver sur notre Facebook et tous nos réseaux sociaux. Vous devrez nous soumettre les documents en format JPEG ou en PDF. Et envoyer l'ensemble des documents en un seul email, par email à l'adresse d'Achinaga. Mais autant que possible, nous vous recommandons quand même d'utiliser la plateforme qui est très facile à utiliser et très instinctive, et plus facile pour remplir votre candidature. Voilà. Pour les inscriptions, alors pour la première étape d'inscription qui détermine si vous êtes éligible ou pas, à l'initiative Tachinaga pour l'Afrique, la date limite, c'est le 28 janvier 2022. Donc, c'est au-delà du 28 janvier 2022, vous n'avez plus la possibilité du tout de postuler de votre candidature à l'initiative Tachinaga pour l'Afrique. Nous ne répondrons pas aux emails dans ce sens-là et nous ne pouvons malheureusement pas faire de dérogation. C'est une date très stricte. Donc, le 28 janvier 2022, ce qui vous donne à peu près 3 mois, je pense qu'il est assez suffisant pour rassembler les documents dont vous avez besoin, vous occuper des démarches administratives, contacter les écoles et pouvoir déterminer votre éligibilité.
Une fois que c'est fait, vous devrez passer à l'étape de candidature qui toujours se fera en ligne si vous avez commencé à ligne, mais aussi peut se faire par email comme expliqué plus tôt. Et à ce, la date limite pour la candidature, ce sera plutôt le 7 février 2022. Alors, faites attention au fait qu'il n'y a qu'une semaine de différence entre la date limite d'inscription et la date limite de candidature. Donc, plus tard vous vous inscrivez, moins vous avez de temps pour compléter votre candidature. Donc, si vous êtes intéressé, on vous conseille de trouver votre compte sur la plateforme et de commencer votre inscription le plus tôt possible. Si vous avez des questions, vous avez le guide du candidat en ligne qui répond à vraiment toutes les questions qu'on a eues au cours des 6 dernières années sur la candidature et qui devrait vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Mais en cas de besoin, n'hésitez pas à nous écrire par email et à nous poser des questions qui parfois sont spécifiques au pays d'origine. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous invite vivement. Donc, vous avez là tous nos réseaux sociaux ainsi que le barcode pour pouvoir accéder à la plateforme de candidature. Je vous invite à tenter votre chance, à saisir cette opportunité et à nous rejoindre sur la plateforme d'inscription pour voir si vous êtes le futur leader pour votre pays, pour l'Afrique. Voilà. Donc, ce sera tout pour l'instant sur l'initiative de la Chine Regard pour l'Afrique. C'était assez court, certes, mais nous voulons faire un focus plus sur la candidature. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités, rendez-vous sur notre site web, bien évidemment. Et là, je vais passer la parole à mon collègue Thierry, qui va parler du bureau de la Chine Regard Sénégal spécifiquement, où se trouvent présentement les candidats de 2021. Ashinaga Sénégal et Ashinaga Ouganda, que nous avons en Ouganda, sont des points phares de la préparation aux études supérieures pour les étudiants. Donc, nous avons jugé intéressant de vous en parler un peu pour que vous puissiez un peu comprendre nos activités ici, ainsi que le déroulement des camps préparatoires pour les étudiants. Donc, je laisse la parole à Thierry. Merci beaucoup, Olivia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme Limata l'a dit tantôt, je pense qu'elle vous a donné assez d'informations par rapport au processus de candidature et nous vous invitons à candidater et à tenter votre chance pour ce programme. Donc là, moi, je vais vous parler du bureau Ashinaga Sénégal. Donc Ashinaga Sénégal, qui est l'un des bureaux de Ashinaga au niveau de l'Afrique, du coup, donc on a un bureau en Ouganda et on a un bureau au Sénégal. Le bureau au Sénégal est le bureau qui accueille justement ceux du parcours francophone, du parcours qui vont étudier en anglais au Japon et ceux du parcours anglophone. Ashinaga Sénégal, comme je l'ai dit, a été créé vers les années 2015-16 où justement on a commencé avec des programmes parallèlement avec des programmes locaux aussi. Donc au niveau du bureau de Ashinaga Sénégal, en plus d'être le bureau qui reçoit les étudiants du programme AI qui doivent aller en France ou au Japon pour leurs études. On a également des programmes locaux qui s'appellent Tahaoujang. Donc Tahaoujang en langue locale, donc en Wolof, ça veut dire soutien à l'éducation. Donc c'est un peu pour traduire ce que Ashinaga fait. Donc on a Tahaoujang élémentaire qui est un programme, comme vous l'avez compris, qui touche justement ceux qui sont à l'élémentaire, donc le primaire, donc du CI jusqu'au CM2. Et on a un programme Tahaoujang universitaire qui concerne ceux qui sont à l'université. Donc, rapidement, pour le programme élémentaire, c'est un programme de bourse de soutien, un peu à l'image de AI, qui soutient ceux qui, des enfants du coup, qui sont au niveau du primaire, donc on les soutient sur 6 ans, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur premier diplôme, donc le certificat de fin d'études élémentaires. Et cette année, justement, on a eu nos premiers lauréats qui sont au nombre de 3, et donc on est très content de ça déjà. C'est un programme également qui soutient les enfants orphelins où l'accompagnement est également financier mais aussi émotionnel parce qu'on fait des activités avec eux, des activités ludiques, des activités éducatives également pour justement créer cette dynamique de groupe là entre eux. On a également l'autre programme qui est un programme universitaire donc qui répond presque aux mêmes critères, donc il faut avoir perdu un ou deux de ses parents, souhaiter continuer ses études dans une université qui se trouve soit à Dakar ou à Thiès, qui est la seconde ville du Sénégal et qui est la plus proche de Dakar, qui est la capitale. Il faut vouloir faire des études dans les domaines qui sont cités. On le fait juste, le type d'études qu'on ne soutient toujours pas, ce sont les études en médecine. Parce que ce qu'on voudrait, c'est donner le même type de soutien à tous nos boursiers, vu que les études en médecine, comme vous le savez, durent 8 ans et ne sont pas du cycle classique qui est de 5 ans pour les études. Voilà pourquoi est-ce que les études en médecine ne sont pas.
Donc, il y a également la prise en charge des frais de scolarité, des allocations de vie, un peu comme pour AI. Et parallèlement, ce qui se fait également, c'est qu'on a un accompagnement TNT, Professional Network Development. Le but, en fait, c'est d'outiller nos boursiers à tout ce qui est confection de CV, lettre de motivation, préparation à des entretiens, comment est-ce qu'on fait du networking, comment est-ce qu'on nourrit son réseau. Tout ça pour les préparer également à atteindre une certaine indépendance socio-professionnelle à ce que, dès l'obtention de leur diplôme, ils puissent eux-mêmes être assez outillés pour pouvoir se lancer sur le marché de l'emploi ou continuer justement avec leur master ou avec d'autres formations. Donc voilà un peu principalement ce qu'on fait à côté de ça. Et donc, comme ma collègue Ouli l'a dit tout à l'heure, on accueille également le camp d'études et le camp préparatoire du programme AI, qui est ce qui vous concerne le plus. Donc, je vais mieux vous expliquer. L'objectif de ces deux camps, c'est de permettre aux étudiants de développer des capacités, que ce soit du point de vue académique, mais également du point de vue social, juste dans la vie de tous les jours. C'est également le processus de préparation à tout ce qui est candidature en ligne pour les universités. Tout ça, c'est des choses qui se font ici également pour les étudiants AI. Et l'un des points les plus importants aussi, c'est de préparer les étudiants à la vie à l'extérieur. Parce que, comme vous le savez, la vie, déjà quand on change de pays, les réalités sont différentes, il y a de l'adaptation qui est attendue. Et donc, quand on change de continent, c'est encore une réalité qui diffère beaucoup plus. Et donc, je parlais tantôt de ces deux camps-là. Donc, on commence toujours par le camp d'études, qui s'appelle le study camp, donc, comme vous voyez, qui dure en moyenne 5 à 6 mois. Donc, le but, justement, c'est de développer des capacités chez les étudiants, déjà leur permettre de mieux connaître Ashinaga et sa philosophie, de développer leur Kokorozashi. C'est également leur permettre de mieux connaître l'environnement dans lequel ils sont venus, donc comprendre la philosophie de Ashinaga et se l'approprier. C'est également pouvoir développer ou approfondir leurs connaissances éducatives et académiques en fonction du parcours ou des études qu'ils souhaitent faire. L'autre point également, c'est de pouvoir déjà les initier à tout ce qui est leadership, développement personnel et tout, donc à travers des leadership training, des activités, des sorties, des projets de leadership, des external speakers qui viennent leur partager justement leur vécu et leur parcours. Et le troisième point, c'est justement tout ce qui est préparation aux candidatures, parce que lorsque vous devenez boursier à Ashinaga, vous êtes boursier à Ashinaga, mais vous n'êtes pas encore accepté dans une université. Donc, du coup, il y a la candidature, les portails Campus France et tout ça. Ça, c'est pour ceux qui sont en France et pour ceux qui sont au Japon également. Il y a un processus similaire. Et donc, vous avez un membre du staff qui est dédié à chaque boursier et qui l'aide justement dans ce processus-là de candidature dans les universités. Et donc, du coup, il y a une période de transition du camp d'études au camp préparatoire, où les étudiants peuvent retourner chez eux, ils ont quand même une liste de choses à faire et à préparer. Et une fois qu'ils reviennent, maintenant, il y a le camp préparatoire où on revient sur tout ce qui avait été abordé avant, mais on va plus en profondeur. Et on va plus en profondeur sur la vie à l'extérieur, comment s'adapter, c'est quoi les réalités auxquelles ils vont faire face, comment est-ce que ça fonctionne une université, quelles sont les différentes activités qui sont attendues d'eux et tout. Voilà en gros ce qui se passe durant ces camps-là qui durent une année et comme on lui l'a dit tout à l'heure, qui sont très importants parce que justement, c'est des moments où les gens apprennent des choses, apprennent et ont des outils pratiques qui vont justement leur permettre de pouvoir mieux vivre leur expérience à Ashinaga à l'extérieur. Donc là, je vais vous présenter juste une semaine classique en camp, donc un emploi du temps. Vous allez voir, c'est chargé, mais c'est intéressant quand même. Donc voilà, le camp, il est divisé en plusieurs parties. Donc vous avez la période A où le focus est plus mis sur tout ce qui est académique, la période B où c'est plus le leadership et la période C où c'est plus maintenant les applications. Donc là, on a juste pris, vous allez voir, c'est un peu comme si vous étiez en cours parce que oui, vous avez des cours, vous avez des activités et tout. Donc comme vous voyez, c'est du lundi au vendredi. Donc voilà, vous avez des cours à faire global dans un contexte africain, mathématiques management, vous avez des meetings, mentor et mentee, vous avez des cours de japonais, des sorties éducatives, du bénévolat, la préparation aux tests de langue, parce que comme vous le savez, pour ceux qui vont suivre le parcours anglophone et japonais, il y a des tests de langue à faire. Et donc du coup, c'est le IELTS, comme vous voyez, donc c'est des sessions où on fait des simulations de ça et tout.
Et voilà, il y a également des sessions de sport, parce que le sport, c'est important. Et donc, vraiment, c'est une expérience qui est agréable à vivre, parce que vous êtes, les coursiers sont entre eux, ils viennent d'horizons différents, ils apprennent à se connaître, à créer un groupe, à créer une dynamique de groupe. Et voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a donné beaucoup plus envie de candidater, si vous aviez des doutes, si vous aviez des questions qu'on a pu y répondre. Et de toute façon, d'ici la fin de la présentation, il y aura également une fois aux questions où vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y apporter le maximum de réponses. Donc, merci, je vais rendre le micro du coup à Oli pour qu'elle puisse continuer sur les projets. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Jerry pour cette présentation sur Ashinaga Sénégal. Je pense que ça vous a donné une idée un peu du temps que les candidats sont en train de passer au bureau, mais il n'y a rien de mieux qu'un témoignage de vive voix de la personne qui est en train de vivre l'expérience. Donc pour aujourd'hui, nous avons avec nous trois candidats qui vont nous parler de leur expérience en tant que candidat à l'IAA et aujourd'hui en tant que participant du cours préparatoire. Donc je vous donne un aperçu vite fait des trois candidats que nous avons. Nous avons Yohan qui nous vient de la République de Congo, Hadjiatou qui nous vient du Sénégal et qui nous vient de Madagascar. Je vais les laisser eux se présenter et nous parler d'eux-mêmes et nous allons passer à la table de ronde. Donc, Jeev, Hadjiatou et Yohan, si vous voulez bien allumer vos caméras et vous présenter, s'il vous plaît. Hadjiatou et Yohan sont là. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir à tous. Merci Oulimata de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Divarandi Amalal, c'est un nom un peu plus long, donc je suis originaire de Madagascar. Merci d'être avec nous aujourd'hui et avec plaisir, je vais avec plaisir de partager mes expériences en tant que candidat de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique. Je suis dans le parcours japonais, donc je vais étudier entièrement en japonais au Japon. Je suis sélectionné cette année et je vais étudier le chemical engineering ou ingénierie en chimie parce que je suis passionné par la science et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de concevoir, le fait de fabriquer et résoudre le problème en ingénierie, en chimie. Et je voudrais améliorer la vie des gens en concevant des produits dans le domaine de santé ou agriculture. Et mon but à long terme, c'est de produire, d'avoir ma propre entreprise de fabrication chimique. Et je serai disponible à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Njiv, c'est un très beau projet et nous sommes sûrs que tu y arriveras. Hadjiatou, si tu nous entends, est-ce que tu peux allumer ta caméra? C'est bon? Oui, mais est-ce que tu peux allumer ta caméra? On t'entend, mais on ne te voit pas. Oui, j'ai allumé, mais... D'accord, vas-y de ton côté. Oh, mais dis, you cannot start your video because the host has stopped it. Tu as stoppé? Je ne pense pas, mais je pense que cela va être bon là. Vas-y. Ok, c'est bon. C'est bon, vous voyez? Oui, ça va. Alors, merci de m'avoir passé la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon le temps qu'il fait chez vous, on ne sait pas. Et je vous salue à tous. Et voilà, moi je m'appelle Khadija Touba, je suis sénégalaise. Et je suis candidate à l'initiative Ashinaga d'Afrique 2021 là, pour la 8e cohorte. Et ce fut un plaisir, c'est avec plaisir que je me tiens là devant vous aujourd'hui pour vous parler un peu de mon expérience, tout ce par quoi je suis passée durant ma candidature jusqu'à ce que je sois sélectionnée actuellement et que je sois une candidate officielle du programme, de ce programme international de leadership qui est Ashinaga.
Et donc, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019 et je suis un produit d'une école d'élitiste d'excellence ici au Sénégal, Maria Maba, pour ceux qui connaissent, je donne le nom. Et en 2019, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai pas voulu intégrer les universités publiques pour des raisons personnelles. Alors, j'ai été postulée dans une école de formation en langue étrangère appliquée au tourisme et aux affaires. Mais cette année, en 2021, j'ai été intéressée par ce programme de leadership qui est Ashinaga. Et donc, quand j'ai vu que c'est un profil qui ça matchait avec tout ce qui s'avérait être mes intérêts, et donc j'ai voulu postuler pour ce programme. Actuellement, je suis candidate dans le parcours anglophone. Et laissez-moi préciser qu'il y a, je dis parcours anglophone parce qu'il y en a d'autres parcours, comme le parcours japonaise et le parcours francophone. À la base, moi, j'avais postulé pour le parcours francophone, mais des circonstances durant tout le long du processus ont fait que je me suis finalement retrouvée dans le parcours anglophone et je ne regrette pas d'ailleurs, c'est avec plaisir. Et voilà, je suis donc supposée aller étudier au Japon en business administration en septembre 2022. Et donc, voilà un petit peu, un bref résumé. Et vous parlant, j'aimerais aussi vous parler un peu de la filière que je vais aller suivre au Japon, qui est la Business Administration. Business Administration ne s'est pas choisi au hasard. Durant tout le processus de candidature, Ashinaga tient à ce que les étudiants ou les candidats optent pour une certaine cohérence, une certaine concordance entre la filière d'études que vous allez présenter et votre domaine d'études, et surtout vos ambitions, c'est-à-dire votre projet professionnel. Et donc, moi, j'ai très tôt prêté attention à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre mon domaine d'études et mes futures ambitions, qui sont d'ailleurs de contribuer à l'amélioration de la santé des femmes et surtout de m'attaquer à tout ce qui est problème environnemental. D'abord dans mon pays ici, qui est le Sénégal, mais aussi dans toute l'Afrique, si possible. C'est une ambition. Et donc, voilà en gros tout ce qu'il y a à savoir sur moi et je suis disposée à répondre à toutes vos questions. Voilà, merci. Donc, merci beaucoup, Khadija. Alors, Yohan a un petit souci technique, donc on va commencer la table ronde sans lui. Et donc, juste pour vous faire un résumé, on a Khadija qui est sénégalaise, qui va aller faire ses études en anglais au Japon. On a Yohan qui est de la République du Congo, qui va aller faire ses études en France en français. Et finalement, on a Yves qui va aller faire ses études en japonais au Japon. Donc, un panel très, très varié, très divers, qui va vous expliquer un peu de quoi s'agit l'IAA en tant que candidat. Donc, je vais vous parler un peu des différentes questions qu'on a, qui vont tourner juste un tour de tout ça. Mais pour la première question que j'ai pour vous, c'est de savoir, en fait, comment est-ce que vous avez connu l'IAA. Donc, est-ce que très brièvement, vous pourriez nous dire comment est-ce que vous avez appris, vous avez pris connaissance du programme de l'IAA? Tour à tour. Donc, Khadija, tu peux y aller en premier. Khadija, vas-y, tu nous entends. Tu es sur mute. Ok, désolée. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019 et pendant cette année, au début de l'année, j'étais dans une classe où tout le monde était intéressé à postuler à des opportunités pour aller étudier à l'étranger. Mais quant à moi, je n'étais pas trop chaude dans cette idée d'aller étudier à l'étranger après mon baccalauréat. Je me voyais plus rester au pays et suivre la formation qu'il me faudra ou intégrer l'université que j'aurais moi choisie. Je me voyais surtout dans ça. Cependant, après le baccalauréat en 2019, les circonstances ont changé, beaucoup de choses sont survenues dans ma vie et qui a fait qu'après, j'ai manifesté cette envie d'aller explorer un peu les autres contrées, d'aller effectuer mes études supérieures ailleurs. Et c'est en ce sens qu'une de mes camarades à l'époque, donc moi j'ai connu l'initiative Ashinaga par le biais d'une amie. Et parce que moi, je n'étais pas trop en contact des médias, des réseaux sociaux. Du coup, je n'étais pas trop in. Et voilà, j'ai connu ça à travers une amie qui a vu que maintenant, j'étais à la recherche d'opportunités pour aller étudier à l'étranger. Alors, c'est justement via WhatsApp qu'elle m'a un jour envoyé le lien à Ashinaga et m'a parlé de la bourse. Cependant, à cette époque, elle m'avait juste envoyé le lien concernant le programme local.
parce que comme Jerry l'a si bien expliqué, il y a un programme local réservé aux Sénégalais. Et donc, cette amie, elle m'avait envoyé ce lien, mais à l'époque, c'était justement pour ce programme local-là. Et j'avais entamé les procédures de candidature, j'avais entamé, mais à un moment donné, j'ai dû arrêter. Et voilà, pour plusieurs raisons aussi, j'ai dû arrêter. Mais finalement, en 2021, j'ai encore manifesté l'intérêt de revenir vers Ashinaga, et cette fois-ci, pas pour le programme local, mais plutôt pour le programme IEA Initiative Ashinaga pour l'Afrique. Et voilà. Merci. Peut-être plus tard, je vais plus développer sur les raisons de cette transition. D'accord, merci. En tout cas, ce qui est à retenir, je crois, c'est qu'il est possible de postuler plus d'une fois à Ashinaga. Donc, peut-être qu'il y a eu des candidats de l'année dernière qui n'ont pas été chanceux, qui n'ont pas été choisis l'année dernière, qui sont toujours intéressés et éligibles par le programme cette année et qu'ils remplissent les conditions. Nous n'avons pas nous n'interdisons pas à ceux qui ont déjà eu postulé par le passé, qui n'ont pas été chanceux, de revenir vers nous. Ils sont toujours intéressés par ce programme, à condition d'être éligibles, bien sûr. Donc, je pense que c'est génial que tu aies eu à entendre parler du programme à travers une amie. C'est vraiment louable. Alors, Jive, comment est-ce que tu as connu l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique? Merci, Ouli Mada. C'est une très bonne question. En fait, j'ai découvert l'existence d'Ashinaga lorsque j'étais en classe de seconde, parce que je faisais le japonais au lycée. J'aime beaucoup apprendre les nouvelles choses, surtout les langues. J'ai connu l'existence d'Ashinaga par le biais de mon professeur de japonais au début de notre classe, précisément en novembre 2017, au début de notre classe de japonais. Il a écrit au tableau « Pourquoi vous voulez apprendre le japonais ?» Et il nous a dit « Ah, il y a de bourses. Si vous voulez étudier au Japon, il y a MEX et Ashinaga. » Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et peu de temps après, à cette époque-là, je me suis renseigné auprès de boursiers d'Ashinaga sur le programme. Je me suis renseigné auprès d'un candidat centrafricain. Il était dans le parcours anglophone et il étudie actuellement en Angleterre. Et après cela, depuis 2018, je suis abonné d'Ashinaga sur FB et je suis la plupart des contenus qu'Ashinaga publie. Et Ashinaga était devenue une source de motivation pour moi parce que je savais que j'allais postuler à Ashinaga juste après mon bac. Je suis bachelier en 2020. Donc, je connaissais Ashinaga un peu à l'avance, ce qui m'a aidé à comprendre ce que c'est exactement le programme d'Ashinaga. Allô? Jib, je pense que tu es sur mute, tu es retourné sur mute. Donc on ne t'entend pas. Ok, vas-y. Pardon? Je ne l'entends pas. Donc, je connaissais donc en avance. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que ton cas est très rare. Je pense qu'il est très rare d'avoir un candidat qui a eu l'expérience d'apprendre le japonais au secondaire. Donc, c'est un cas très, très, très rare. Et je vois aussi que tu étais un assidu suiveur d'Ashinaga sur les réseaux sociaux et que ça a bien payé. Donc, c'est formidable. Johan, si tu es toujours là, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as connu l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique? Voilà, tu es là, on te voit. Ok. Excusez-moi, il y avait un petit souci technique, donc il fallait qu'on change d'ordinateur, arranger un peu ça. Bon, pour
revenir dans le vif du sujet, moi, j'ai connu Ashinaga à travers une affiche et c'était au niveau de la direction des bourses congolaises. Et j'ai lu sur l'affiche, il a été mentionné que non, Ashinaga est une ONG japonaise qui octroie des bourses aux étudiants orphelins à travers le monde. Et moi, étant orphelin, ce moment-là, étant étudiant, et j'ai pris contact, j'ai pris le site internet qui se trouvait sur l'affiche et j'ai suivi Ashinaga sur Instagram. J'ai communiqué avec le personnel d'Ashinaga qui dirige la plateforme sur Instagram et j'ai posé mes questions si cette bourse elle était vraiment réelle parce qu'il fallait que je puisse me renseigner parce que souvent avec ces histoires de bourse-là, on n'y croyait pas d'abord en avance. Et la personne, de bonne foi, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, tu as quand même le profil pour être éligible. Donc, il faudrait que tu passes la candidature, tu passes à l'inscription, tu dois t'inscrire sur le lien. Il m'avait envoyé un lien, je devais m'inscrire sur ce lien et poursuivre la candidature. Et au fur et à mesure, quand j'allais m'inscrire, mais à cette époque-là, les candidatures étaient déjà fermées, donc je ne pouvais pas postuler en 2019. Et il m'a fallu attendre un an pour postuler en 2020. Et j'ai commencé ma procédure en 2020. Bien sûr qu'elle était longue, elle n'était pas facile, mais c'était vraiment une expérience pour moi, une première expérience. Je crois que non, c'est tout ce que je vais dire. Bon, pour ma présentation, vu que je n'étais pas là en avant, bon, je vais me présenter. Moi, c'est Johan Berti. Je suis candidat originaire du Congo-Brazzaville. Actuellement, je fais mon camp d'études ici au Sénégal et je suis le parcours francophone avec le projet de biologie. Bon, mon projet académique, c'est d'étudier la biologie avec un projet professionnel après qui est l'installation d'un laboratoire type 4 à la fin de mes études. Et c'est un peu ça que je peux vous partager pour le moment. Excusez-moi du retard. Merci. Ne t'en fais pas. Je pense que tu t'es bien rattrapé. Merci beaucoup. Je pense que vous résumez très bien les différents points d'accès à l'IAA auxquels les étudiants peuvent avoir accès. Donc, si vous avez des amis autour de vous, peut-être que vous avez entendu parler du programme à travers vos amis, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également demander à vos encadreurs, vos professeurs, vos enseignants autour de vous ou quelqu'un qui a un lien avec le Japon ou juste faire des recherches sur Google, nous suivre sur les réseaux sociaux pour à chaque fois être au courant de nos activités et de l'ouverture des candidatures, surtout si vous n'êtes pas encore éligible comme Johan l'était en 2019 et que vous devez attendre une année pour pouvoir déposer votre candidature. Soyez sûr de rester à l'aguet et de pouvoir savoir quand les candidatures sont ouvertes. Donc, je vais laisser à Jerry le soin de poser la prochaine question. Merci. Oui, donc je pense que cette question, elle va être adressée à Andy en premier. Donc, Nil, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton processus de candidature? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Et quel est le moment, justement, dans ce processus de candidature qui t'a peut-être le plus marqué? Est-ce que tu as une anecdote à partager avec les futurs candidats de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique? Allô, Nil? Oui, merci, Jerry. J'ai décidé de postuler juste après mon bac. J'ai obtenu mon bac CRC Mention Très Bien en 2020. Comme je disais tout à l'heure, Ashinaga est devenue une source de motivation qui m'a forcé à bien travailler lorsque j'étais au lycée. Donc, juste après le bac, j'ai décidé de récupérer en avance tous les documents nécessaires. Et après cela, j'ai continué à faire beaucoup de recherches, des rédactions. Ça prenait beaucoup de temps, les deux rédactions d'Ashinaga. Mais il faut avoir de la patience, de motivation. Il faut savoir le pourquoi des choses, pourquoi je dois postuler à Ashinaga. Et j'ai essayé d'avoir une positive mindset durant le processus, de montrer ça dans les dissertations afin d'inspirer ceux qui vont lire mes deux dissertations là. Oui, c'est ça. Une petite anecdote. Le jour de mon entretien, l'électricité a été coupée. Et heureusement, juste 15 minutes avant l'entretien,
elle a été revenue. Ouais. Et ça a augmenté le stress. J'imagine ça a dû te donner en plus. Merci beaucoup, Njil, d'avoir partagé ça avec nous. Johan, est-ce que toi également, justement, dans ton processus de candidature, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce qu'il y a quand même trois phases. Est-ce qu'il y a une des phases en particulier sur laquelle tu aimerais revenir? Oui, ça, c'est une expérience que j'aimerais vraiment partager parce que le processus de candidature à Shinaga, elle est longue parce qu'elle s'intitule sur trois phases. Et la phase qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la phase de candidature. Parce que pour moi, je le faisais au fur et à mesure, je remplissais les pages et ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la partie où je devais écrire mes deux rédactions, parce que ces rédactions, ça s'intitule beaucoup plus sur la vie, ce que j'ai vécu, comment j'ai fait pour surmonter la perte de mes parents. Et je me disais, c'était pour la première fois que j'écris cela pour que d'autres personnes autour de moi puissent lire ce que moi, je ressens vraiment au plus profond de moi. Et ça a été vraiment un challenge pour moi et un défi pour écrire ce que je ressentais après la perte de mes parents et comment j'ai fait pour les surmonter. Et cela m'a vraiment motivé et ça m'a donné vraiment la volonté. C'est ce qui m'a vraiment donné la volonté de continuer de poursuivre jusqu'à la fin. Et toujours sur la procédure de la candidature, il y a la partie leadership. En fait, j'ignorais d'abord c'était quoi la question du leadership. Il y a même des activités que j'ai faites en amont dans la vie que je ne savais pas que ça pouvait rentrer dans le cadre du leadership. Et après, bien après, quand j'ai connu Ashinaga et dans le processus de candidature, on me rappelle que non, je dois mettre des activités que j'ai faites étant qui rentrent dans le cadre du leadership. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire alors que je l'avais déjà fait. Et ça m'a permis de me souvenir que non, ce que j'ai fait en avant, ça rentrait déjà dans le cadre du leadership. Du coup, pour moi, c'était une connaissance dans le développement professionnel aussi. Parce que ce que j'avais fait, c'était vraiment dans le domaine professionnalisant et ça rentre dans le cadre du leadership. C'est parmi les épreuves qui m'ont vraiment marqué durant cette candidature. Et aussi, pendant l'entretien, c'était la première fois de passer l'entretien pour une bourse. Et c'était vraiment stressant, mais j'ai quand même pu relever les défis et je suis passé et tout s'est bien passé. En fait, avec l'entretien avec Ashinaga, il faut seulement être honnête. Dis ce que tu penses, dis ce que tu fais. Parce qu'Ashinaga, ce sont des gens comme ils sont d'abord une année parce que tu ne les connais pas d'abord. Donc, tu dois parler de toi pour qu'ils puissent comprendre quel genre de personne tu es, qu'est-ce que tu veux et quels sont tes projets, tes ambitions pour le développement de l'Afrique. Donc, du coup, il fallait que je parle de cela sérieusement, sans mon champ, dire tout ce que j'ai vécu, dire tout ce que j'ai fait comme étude, dire tout ce que j'ai vécu durant mon cursus scolaire, dans ma vie, tout ça, il fallait les dire et tout ça, ça s'est très bien passé et je suis vraiment heureux de cette étape-là. Ça m'a vraiment fortifié, ça a vraiment développé pour moi les capacités d'un leader et vraiment dans le domaine professionnel. Merci. Merci beaucoup, Johan. Et donc, du coup, Khadija, toujours un peu la même question. Ce que je voudrais savoir en particulier pour toi, c'est quel était ton état d'esprit lorsque tu as passé la première phase de sélection. Tu t'es dit, OK, la deuxième phase des tests et tout ça. Et lorsque tu venais à l'entretien, comment est-ce que tu te sentais? Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais confiante? Est-ce que tu t'es dit, bon, ces dernières étapes-là, c'est bon, ça va se passer super facilement vu que les deux autres sont passés? Ou voilà, quelles étaient tes appréhensions? Et voilà. Khadija, tu es sur mute. Ah oui, désolée, la question s'adressait à moi donc. Oui, voilà, c'est pour ça. Ah, vous ne me voyez toujours pas. Tu peux essayer d'enlever ton background plus tard, mais pour l'instant, vas-y, tu peux juste répondre à la question. D'accord, Thierry, le réseau a un peu bugué, je n'avais pas bien entendu la question. Si tu peux répéter, s'il te plaît. OK, donc en fait, la question, c'est de savoir comment est-ce que tu es arrivé à la dernière étape, parce que tu as passé les deux premières étapes. Quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu étais confiant? Tu t'es dit, j'ai pu arriver jusque-là, c'est que voilà, pour le reste, ce ne sera que simple formalité. Ou voilà, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais? Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais lorsqu'on t'a appelé et qu'on t'a dit, bon, voilà maintenant ce qui reste à faire? D'accord, merci. Je pense que pour nous trois qui sommes ici, la partie la plus, je dirais, la plus challenging, la plus difficile a été la deuxième phase où on devait nous prononcer plus sur tout ce qui est faire des rédactions à propos de notre vie personnelle, expliquer comment
ça s'est passé, la perte de nos parents et tout ce qu'on a eu à faire pour surmonter cette situation. Ça a été particulièrement douloureux de faire un retour aux sources et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs la peine d'abandonner la procédure de candidature pour le programme local pour lequel j'étais intéressée en 2019. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à évoluer dans tout ce qui était rédaction. Et parce que là, je venais fraîchement de perdre mon parent. Et donc, c'était difficile de devoir me prononcer beaucoup là-dessus. Donc, j'ai dû abandonner. Mais en 2021, l'école de formation où j'étais a fait que j'ai encore manifesté l'intérêt de venir postuler pour Ashinaga. Parce que je ne retrouvais plus cette rigueur à laquelle j'étais habituée à l'internat où j'étais. Je n'arrivais plus à retrouver ce rythme de travail et rigueur à laquelle j'étais habituée. Donc, ce qui m'a poussée à vouloir encore revenir vers Ashinaga, mais cette fois-ci pour le programme international. Non seulement académiquement, je me sentais en confiance, je me sentais vraiment apte à embrasser ce programme international. Et justement, après le baccalauréat, j'ai fait un an à l'école de formation, ce qui m'a valu, c'était l'occasion pour moi d'acquérir une autre expérience qui va pouvoir me permettre de vraiment me lancer dans cette procédure de candidature qui est liée à... Donc, je me sentais en pleine confiance. Justement, le problème, c'était l'interview. Quand moi, j'avais vu qu'on avait un interview de 1 heure de temps, c'était dans ma tête, c'était trop parce que je n'avais jamais eu à passer un interview qui devait durer 1 heure de temps. Ça devait être ma première fois. Et sachant que je serais interrogée sur des questions que j'ai eu à traiter dans la phase 2, notamment la vie personnelle, tout ce qui est leadership qu'on avait réalisé au lycée, par exemple, et surtout notre projet professionnel. Et j'avais surtout eu du mal à allier le domaine d'études que je voulais proposer à Ashinaga et le projet professionnel. Je n'avais pas assez d'expérience, pas assez de ressources pour cela. Et donc, c'est ce qui m'a valu d'être stressée à propos de l'interview. Sinon, le jour de l'interview, puisque moi, je suis ici, je suis au Sénégal, je devais faire l'interview en présentiel, pas en ligne, comme l'ont fait beaucoup d'autres de mes collègues. Et voilà, après les épreuves écrites, ça ne me posait pas de soucis, comme je l'ai si bien dit. L'interview, ça s'est bien passé quand même à la fin, mais c'était carrément, carrément stressant. Et je peux dire que pendant toute ma phase de procédure, pendant tout le temps que j'ai passé à accorder pour la procédure de candidature, l'interview était la seule chose à laquelle je pensais, genre matin, midi, soir, parce que c'est ça qui me stressait. Mais à ma grande surprise, j'avais quand même bien géré ça, même si c'était difficile en présentiel par rapport aux autres qui ont fait ça en ligne. En ligne, je me dis que c'est un peu plus allégé. Et moi, j'étais là en face de 3 personnes et voilà, qui me regardaient eye contact, yeux dans les yeux. Je n'étais pas habituée à ça, c'était difficile. Mais j'étais fière de moi quand je suis sortie. J'avais senti comme un énorme poids qui s'est enlevé de moi. Et donc, j'étais rentrée, j'étais fière. J'étais carrément 90% confiante qu'ils allaient me choisir parce que carrément, je m'étais donnée et j'avais fait tout le nécessaire, tous les entraînements possibles. Et voilà, j'étais prête. C'est stressant et la procédure, elle est assez longue. Donc, il vous faut beaucoup de courage et surtout de patience. Voilà. Merci beaucoup, Khadija Tou. Et merci également à Andy et à Johan qui sont revenus sur leur expérience. Et comme vous avez pu le noter, c'est une expérience qui est stressante, qui a son côté de stress, qui vient avec son lot de stress. Je pense comme toute chose où justement on doit se faire évaluer, c'est normal, c'est un stress positif même qui permet justement de se surpasser. Et c'est des épreuves auxquelles ils ont très valablement et très brillamment répondu. C'est d'ailleurs ce qui leur vaut aujourd'hui leur place de boursier de l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous les félicitons tous. Et qui sait, peut-être que le prochain Jib, le prochain Johan et la prochaine Khadija Tou se trouvent parmi vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore jusqu'au 28 janvier 2022 pour justement vous candidater pour une première phase. Et on vous souhaite plein de courage et on croise les doigts pour vous. Donc, Oulimata, je vais te repasser la parole pour les prochaines questions. Merci, Jerry. Ouais, donc, je pense que c'est un beau témoignage des différents parcours que vous avez, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est que, et c'est ce qui nous importe, c'est très important pour nous, c'est que le processus de candidature que nous avons, les questions que nous vous posons, vous aident à vous décrire.
découvrir vous-même, à mieux vous connaître. Et quel que soit le sujet de votre candidature, si vous êtes appelé à poser votre candidature complète pour l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique, vous allez en ressortir grandi, vous allez en ressortir avec beaucoup de confiance en vous-même. Et même si vous n'êtes pas choisi, alors que si certains d'entre vous le seront, mais même si vous ne l'êtes pas, vous ressortirez en tout cas assez outillé, plus outillé que vous ne l'étiez avant pour vos études supérieures. Et c'est vraiment important pour nous. Nous donnons à ce que tous les candidats qui sont avec nous, nous cherchons juste à révéler le potentiel qui est déjà en vous. Donc, c'est vraiment à vous de fournir le gros du travail et de bien comprendre ce qu'il faut mettre en avant pour, comme elle a dit, un peu impressionner le jury et être sûr de pouvoir avoir votre chance en tant que boursier à l'IAA. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais quand même poser une dernière question à tous les étudiants qui peuvent répondre à tour de rôle. Alors, la question, c'est en deux points. Donc, essayez de résumer en une, deux minutes peut-être les deux, l'élément que vous pensez crucial à comprendre à propos de l'IA avant de postuler. Donc, quel est le point important que vraiment il faut bien comprendre avant de vouloir prétendre à la bourse? Et quel est le conseil clé que vous donneriez à un candidat, le secret d'une bonne candidature? Donc, je vais commencer par Yves cette fois-ci. Très vite, est-ce que tu peux nous dire quelle est vraiment la particularité d'Ashinaga que tu veux que tout le monde comprenne? Et surtout, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune malgache, un jeune Sénégalais ou un jeune n'importe quel Africain qui voudrait postuler à l'IAA? Merci. Merci d'être bref aussi. Merci, Oulimata. Je vais commencer par les conseils. Il faut raconter toutes vos histoires et soyez authentique. Ce sont mes conseils. Soyez authentique. N'essayez même pas d'écrire quelque chose qui ne sont même pas vous, juste pour impressionner les jurys. Non, soyez vous-même. Soyez authentique. Et après cela, à propos des expériences en matière de leadership, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus. Il faut juste mettre en valeur ce que vous faites à travers les dissertations. Il faut mettre en valeur. Par exemple, si vous avez déjà travaillé, donc il faut mettre en valeur pourquoi vous avez fait ça. Si vous faites partie d'une chorale, il faut juste écrire, mettre en valeur l'activité que vous faites. Et soyez confiant de vous. Soyez confiant de vous. L'élément clé, il faut savoir qu'il faut participer aux deux camps. Parce qu'il y en a des candidats qui pensent qu'on doit juste partir pour Japon sans participer au camp, il faut savoir ça. Il faut remplir tous les critères qu'Ashinaga impose. Merci. Oui, merci Njiv. C'est vraiment important de savoir que le camp préparatoire est obligatoire et très bénéfique. Je vous promets que c'est une belle année à vivre en tant que candidat à l'IAA et que même si ça semble être une année à attendre avant de pouvoir poursuivre vos études supérieures, c'est déjà une préparation qui vous permettra en fait de partir sur de meilleures bases pour vos études supérieures. Donc, merci d'insister sur ce point-là. Effectivement, restez authentique, restez vous-même. Nous cherchons à connaître qui vous êtes, votre passé, la personne que vous êtes et pas juste un beau portrait qui n'est pas très réaliste. Donc, n'ayez pas honte de parler de votre histoire, parler de toutes les activités que vous faites et soyez autant sincère que possible dans votre application. Ce sont les deux conseils de Jill qui sont très, très, très importants. Donc, Khadija, qu'est-ce que tu as à dire à nos futurs candidats? Alors, merci. Forcément, il y a de nombreux éléments, de nombreux points dont tout candidat devrait être averti avant de commencer la procédure de candidature. Et cependant, j'aimerais insister sur le fait que les candidats devraient savoir en amont que ce programme de leadership qui est Ashinaga a une énorme différence par rapport à tous les autres programmes de bourse que moi, en tout cas personnellement, j'ai connu parce que j'ai eu à solliciter pas mal de programmes de bourse. Mais quand même, quand j'ai vu Ashinaga, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence. Et cette différence se trouve notamment dans le volet suivi. Parce qu'à Ashinaga, il y a ce suivi qui est offert
aux candidats, aux futures boursières, ce suivi que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et par ce suivi-là, je veux parler justement du suivi, non seulement qui est académique, mais qui est aussi personnel à travers le leadership, beaucoup de formations de leadership qu'on suit ici, à travers les cours, mais aussi des formations qui sont instaurées dans le programme, typiquement pour nous aider pour notre développement personnel. À cela aussi s'ajoute tout ce qui est développement professionnel. On a des cours dédiés uniquement à ça pour nous préparer à mieux être apte et à être valable sur le marché professionnel. Parce que nous sommes censés, en tant que boursiers, étudier, par exemple, au Japon, 4 ans, pour le programme francophone, 3 ans, en France, et ainsi de suite. Et donc, durant tout ce cursus, nous sommes appelés à apprendre à intégrer ce marché professionnel, notamment à travers les stages que nous aurons à solliciter. Et après, même à Shinaga, nous serons appelés à peut-être appliquer pour obtenir des travaux et tout. Et c'est dans ce sens que ce volet développement professionnel est vraiment intéressant. Et dans beaucoup d'autres programmes de bourse, ils ne vous donnent que l'argent, ils vous donnent juste, voilà, vous avez la bourse pour aller dans tel pays, nous allons prendre en compte votre logement, votre food, vos frais de scolarité, et c'est tout, vous êtes laissé à vous-même. Alors que Ashinaga, c'est un programme tout à fait complet. Et voilà, l'autre point aussi que j'aimerais que tout le monde soit conscient, c'est le fait que même après votre sélection, même après que vous soyez sélectionné à Ashinaga, vous continuez de rester candidat jusqu'à ce que nous ayons passé les deux camps préparatoires et camp d'études. Et voilà, jusqu'à alors, avant la fin des deux camps, nous sommes justement candidats et nous avons des examens, par exemple, à passer. Et nous devons d'abord remplir des conditions comme quoi être accepté dans une université, avoir le visa et tout. Et c'est dès lors là que nous serons considérés comme boursiers. Et un troisième point sur lequel je veux revenir, c'est la semaine d'orientation. Je veux juste vous dire que vous n'avez pas trop à faire choix de domaine d'études. Pendant la procédure de candidat, vous êtes justement amené à vous interroger sur vous-même et à présenter quelque chose. Mais même si vous n'êtes pas sûr de vous-même, quand même, lancez-vous, allez-y et soyez sûr que si vous êtes sélectionné pendant le camp, il y a une semaine, toute une semaine qui est dédiée à ça, à ce que nous revenions sur tout ce qui est vos aspirations, vos intérêts et voilà, et vos projets professionnels et la filière que vous avez choisie. Vous aurez l'occasion d'en avoir plus le cœur net. Et donc, voilà, côté élément clé que vous devez savoir, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, juste vous dire de vous armer de beaucoup de patience, d'être honnête, comme mon camarade vient de le dire, et surtout d'essayer de préparer tous les documents à l'amont. Si vous êtes un candidat qui a eu le bac, par exemple, à l'année dernière, essayez de réunir déjà présent tout ce qui est documents, mais surtout le certificat de décès. Parce que vous aurez beau avoir tous les autres, mais sans ceci, sans le certificat de décès des deux parents, vous ne pouvez pas être éligible, parce que c'est un élément clé qui prouve justement la différence entre n'importe qui d'autre qui aimerait postuler pour le programme Ashinaga. Et donc voilà, j'aimerais surtout lancer un appel aux filles de s'armer vraiment de courage et de patience et de ne pas abandonner. Parce qu'ici à Shinaga, on a remarqué que plus les procédures avancent, plus les filles elles abandonnent. La preuve, pour le camp de l'année dernière, il n'y avait qu'une seule fille et pour le camp de cette année, nous ne sommes que deux dans le camp. Il y a plus de garçons et moi, ça me met mal à l'aise. Donc je lance un appel solennel, je vous exhorte à toutes à bien suivre les procédures, à ne pas vous enlacer et de rester motivées, surtout motivées. Voilà. Merci. D'accord, merci Khadijatou. Je pense que tu as fait mon boulot en fait. Tu as mentionné tellement d'éléments importants que voilà, je vais vite un résumé de tout ce que tu as dit. Effectivement, il est très important de bien se préparer, de bien préparer ces documents parce que ce sont des éléments nécessaires non seulement pour nous permettre de vérifier votre éligibilité, mais aussi ça peut être plus tard nécessaire pour vos différentes démarches administratives pour aller à l'université. Et justement, en parlant d'université, il faut bien comprendre que quand vous devenez un candidat de l'IAA, vous n'êtes boursier qu'à partir du moment où vous avez obtenu une préinscription à l'université et que cette préinscription est de votre ressort. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a une préparation académique très sérieuse et on est là, on vous accompagne tout au long du processus de candidature, mais en tout cas, l'évaluation de votre admission à l'université se fait sur la base de vos résultats, de votre performance et que sur ce côté-là, c'est à vous de faire le maximum d'efforts pour garantir que vous ayez une admission à l'université. Donc, à Shinaga, mais à votre disposition
disposition tout le matériel nécessaire, tous les fonds nécessaires pour vos démarches de pré-inscription, mais en ce qui concerne les résultats scolaires académiques, le contenu de vos rédaction, ça repose vraiment sur vous. Donc, c'est un effort à double sens. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous n'ayez à penser à rien d'autre qu'à vos études et nous voulons que vous fassiez l'effort de ne pas penser à rien d'autre qu'à vos études. Donc, c'est un élément très important et surtout la patience dont elle a parlé. Le processus peut sembler être assez long et c'est parce que nous prenons vraiment le temps de bien regarder tous les dossiers que nous avons. Nous faisons attention, nous sommes très soucieux d'être juste envers tout le monde et c'est pour ça que parfois, voilà, nous donnons le temps de bien évaluer toutes les candidatures, d'avoir assez de temps pour faire des entretiens. Et parfois même, on en fait deux dans certains cas, juste pour s'assurer que voilà, le candidat est bien conscient de ses choix et tout, pour être sûr que voilà, le résultat final sera aussi juste que possible. Enfin, un dernier point très important qu'elle a mentionné, c'est que nous sommes vraiment... nous désirons avoir le plus de candidatures féminines que possible. Donc, nous encourageons toutes les filles à vivement s'intéresser à l'initiative d'Achinaga pour l'Afrique. Si vous avez des jeunes filles autour de vous, parlez-leur du programme et surtout, armez-vous de patience et de motivation et de courage. Donc, pour le dernier témoignage, les derniers conseils, je vais laisser à Yohan le soin de nous en donner quelques avant de finir. Ouais, d'accord, merci beaucoup, Ulimata. Bon, comme l'a souligné mes amis ici en amont, bon, moi, je veux beaucoup plus m'attarder sur le côté leadership. Outre l'originalité d'Achinaga en donnant des bourses aux étudiants orphelins à travers le monde, c'est aussi ce qui le différencie d'autres bourses, c'est un programme de leadership. Achinaga, c'est d'où provient l'initiative de faire les deux camps préparatoires et camps d'études pour enfin former ces étudiants-là, leur former dans le domaine professionnel, leur donner des bases qui va leur accorder le principe de développer leur capacité de leadership. Parce que ici, lors de ce camp, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est vraiment un programme de leadership et on apprend certaines matières qu'on ignorait dans la vie et ça nous permet de développer certaines compétences qu'on ignorait. Et ces compétences sont vraiment importantes dans le monde de l'emploi et dans le monde professionnel et de vendre ses articles et de se mettre en vente, en fait. Voilà pourquoi Achinaga, c'est donc d'abord la volonté d'appeler tous ces étudiants-là, de les donner une formation avant qu'ils aillent étudier dans les pays européens. Il faut d'abord qu'ils aient des bases proprement à Achinaga, candidat à Achinaga, qu'ils aient le statut vraiment net d'un candidat à Achinaga qui doit être formé, non seulement académiquement, mais professionnellement et personnellement, avoir un développement sur ces trois branches-là. C'est ce qui caractérise vraiment l'image d'un candidat qui ressort du camp préparatoire et du camp d'études à Achinaga, Sénégal. Et un conseil que je vais donner, c'est beaucoup plus aussi aux femmes, de ne pas se limiter juste quand tu commences l'inscription, après la candidature, vous limitez, non, allez jusqu'au bout. On a vraiment besoin qu'il y ait aussi autant de femmes qu'autant d'hommes dans les camps préparatoires ou dans les camps d'études. Parce que comme l'a souligné Khadija en ce moment, l'année passée, c'était une seule femme. Et en ce moment, ils sont deux. Et on voudrait aussi que dans les années à venir, les cohortes 9 et 10, qu'il y ait au moins 5, 6, 7 femmes, ça fera vraiment un plaisir dans le développement et la place de la femme intégrée dans cette société d'Achinaga. Ça sera vraiment important. Et le conseil que je veux vous donner aussi, c'est d'être proactif dans le processus de candidature parce que c'est le processus où beaucoup les étudiants ont vraiment des problèmes, en fait. Parce que quand ils font face à des rédactions et les principes du leadership, ils ont tendance à dire bah, « ça, je ne connais pas, je laisse, non. » C'est juste mettre en avance ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti durant la perte de tes parents et de parler des activités que tu as faites. Parce que dans le cas du DRC, ce sont des activités extrascolaires. Ce que tu as fait hors de ton programme scolaire, tu mets ces activités-là, ça rentre dans le cas du leadership, tu le mets et Achinaga, ils prendront soin et de savoir ce que tu as fait. Parce qu'en amont, Achinaga, c'est des personnes anonymes que tu ne connais pas d'abord, que tu n'as jamais rencontrées et tu dois leur parler de toi. Ils doivent comprendre quel genre de personnes qu'ils ont devant eux et quel genre de candidats qu'ils doivent sélectionner. Donc, voilà pourquoi Achinaga demande à des candidats de parler de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, que ce soit dans le cadre scolaire ou extrascolaire, tu dois dire et parler de ça et ça fera aussi partie des chances qu'il va maximiser dans le processus de sélection. Et juste marteler sur une chose, de ne pas avoir peur. Les candidats, parce qu'on dit, c'est un seul candidat par pays. N'ayez pas peur, parce que moi aussi, dans mon pays, bah, souvent, je me disais que c'est une seule personne. Bon, je ne sais pas si je serai sélectionné ou quoi. Bon, je continue quand même d'avoir confiance en soi. Et par rapport
Au cursus scolaire que tu as fait, tu dois être conscient de ça et jusqu'à la dernière étape, tu dois avoir confiance. N'aie pas peur parce que parmi 100 personnes, c'est juste une personne qu'on doit sélectionner. Tu ne vois pas le nombre, mais tu vois ta personnalité, ce que tu veux faire pour le développement de ton pays, le développement de l'Afrique, ton projet professionnel et ton projet académique. C'est ce qu'Ashinaga veut vraiment comprendre de toi et tu dois vraiment baser tes principes sur ça et ne pas avoir peur de continuer. Surtout, j'appelle aux femmes de postuler, de candidater pour cette cohorte qui vient là. Merci. Merci Yoann, c'était vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'encourager les filles à postuler et surtout, effectivement, ne vous souciez pas de tous les autres candidats qui peuvent postuler du même pays que vous. Concentrez-vous sur votre candidature et faites de votre mieux. Donnez le meilleur de vous-même et quel qu'en soit le dessus, vous pourrez être fier de vous et qui sait, vous serez peut-être le vrai candidat choisi dans votre pays. On a malheureusement plus de temps, donc on a largement dépassé le temps actuellement imparti. Et voilà, je sais que vous avez beaucoup d'autres questions et les candidats sont disposés à répondre si vous avez besoin de leur parler personnellement. Faites un email à Ashinaga et demandez à ce qu'on vous donne leur contact. S'ils sont disposés, ils vous répondront sans souci. Ils seront là pour vous guider si vous en avez besoin. Soyez également certains de visiter notre site et de consulter le guide des candidats qu'on a confectionné avec beaucoup de soin et qui, je vous promets, contient vraiment beaucoup de réponses et de conseils qui peuvent vous aider dans vos rédactions, dans votre préparation d'entretien, etc. Et qui, faites-en votre document personnel, appropriez-vous le document, utilisez-le pour la candidature à Ashinaga, certes, mais aussi pour la candidature à d'autres postes si vous êtes en train de chercher une autre bourse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour notre webinaire d'aujourd'hui. Le temps était assez court, mais nous espérons en tout cas que ce partage d'informations avec les étudiants, est-ce que vous pouvez tout allumer vos caméras, les panélistes, que ce partage d'informations avec les candidats de l'IAA vous a aidé en tout cas à avoir confiance en vous, à avoir envie de postuler à l'IAA. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux ou par email, comme je l'ai mentionné plus tôt. Pour rappel, la date limite pour s'inscrire et au moins savoir si vous êtes éligible est le 28 février 2022, le 28 janvier 2022, je m'excuse, le 28 janvier 2022. Et la date limite pour les candidatures pour ceux qui ont été éligibles est le 7 février 2022. Donc, nous vous souhaitons un très bon courage, bonne chance pour ceux qui tenteront leur chance. Et surtout, voilà, nous vous souhaitons plein succès dans tous vos projets. Et nous vous retrouverons peut-être pour un autre webinaire avec tous les candidats plus tard. Merci beaucoup. Donc, au revoir tout le monde. Et merci à Jerry, mon co-modérateur d'aujourd'hui, la Chine Sénégal. Et surtout, un grand merci à nos trois panélistes qui, voilà, ont pris du temps de leur emploi du temps tellement, tellement chargé pour nous parler de leur expérience. Et je trouve qu'ils nous ont bien motivés. Et nous espérons que l'année prochaine, vous serez les heureux panélistes de ce webinaire. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.